Miami, le 18 mai 2024, c'est la fête au château Allison. Pour fêter la rénovation de cette célèbre villa du quartier chic de Biscayne, Aurélie B a organisé une luxueuse garden party et elle a vu les choses en grand. Piscine à débordement, marbre sur les murs, œuvres d'art, les invités en prennent vraiment plein la vue. Il y a même DJ Khaled qui est là pour donner un petit show privé. Oui, DJ Khaled, le DJ mondialement connu pour ça. DJ Khaled. Et ça. Il y a aussi YG Marley, le petit-fils de Bob Marley. Aurélie B a tout. À 39 ans, la française est architecte d'intérieur dans le luxe. Sur les réseaux sociaux, on la voit à la table de l'actrice Eva Longoria faire des soirées privées au milieu de la jet set américaine. Tout roule pour elle, elle vit une sorte de rêve américain. Elle fait même la couverture d'un magazine de luxe qui la présente comme l'architecte d'intérieur la plus demandée de Floride. Bref, elle mène une vie de faste et de luxe et tout lui réussit. Enfin, lui réussissait, parce qu'au mois d'août, elle a été arrêtée à la descente de son jet privé dans un aéroport corse. Et aujourd'hui, elle est derrière les barreaux. Car avant d'être designeuse à succès, Aurélie B était trésorière chez Kiabi. Kiabi, la mode à petit prix. Et elle est accusée de leur avoir subtilisé pas moins de 100 millions d'euros. Les journalistes du Parisien ont enquêté pendant des semaines sur son histoire qui est complètement folle. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Aurélie B. Aurélie, elle est née en 1985. On sait qu'elle a grandi à Bordeaux. Son père travaille dans l'industrie automobile et sa mère est infirmière. Elle est fille unique. On n'en sait pas vraiment plus sur son enfance, mais on sait qu'elle a obtenu son bac et qu'après, elle a entamé des études comptables et financières. En 2006, la jeune femme commence une alternance chez Cultura en tant que gestionnaire comptable. À ce moment-là, elle est donc au siège de Cultura, qui est situé à Mérignac, donc près de Bordeaux. Ça se passe plutôt bien, et après 2 ans d'alternance, elle finit par être embauchée. Donc côté pro, tout va bien, et côté perso, ça va aussi. Car à la même période, elle va commencer à fréquenter un joueur de foot. Alors je peux pas tellement vous donner de détails sur lui parce qu'il souhaite rester anonyme, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est joueur professionnel, qu'il évolue à l'étranger, et qu'il est français. Et c'est à ce moment-là que ça dérape. On s'est entretenu avec lui, et en fait lui, il se considère comme la toute première victime d'Aurélie B. Et donc là, on est quand même 10 ans avant l'affaire Kiabi. À ce moment-là, Aurélie B, elle a environ une vingtaine d'années, et grâce à cette relation, elle va découvrir la vie de rêve des footballeurs qui gagnent bien leur vie, avec tout le luxe qui va avec. Et selon plusieurs de ses amis, elle va se découvrir une vraie fascination pour l'argent. Elle était toujours très bien habillée, elle roulait dans une Mini. Une fois, elle m'a montré son poignet, un bracelet jaune Cartier à 50 000 euros. Elle avait déjà une Rolex, alors qu'elle était comptable. Tout ça, forcément, ça étonne un peu ses proches. À son petit ami, elle va raconter qu'elle est issue d'une famille bourgeoise et qu'en plus elle gagne bien sa vie. Mais sauf qu'en fait, entre 2010 et 2013, celui qui finance vraiment son train de vie, bah c'est son petit ami. Le problème, c'est qu'il n'est pas au courant. Ce joueur de foot, il gagne très très bien sa vie. Tellement qu'en fait, il va mettre du temps à réaliser qu'elle retire de l'argent de l'un de ses comptes en lui volant des chèques. Elle réalisait des chèques à partir d'un de ses comptes privés qu'elle encaissait elle-même. Elle lui a même offert des cadeaux, comme une montre de luxe, avec ses fonds pour le séduire, le convaincre qu'elle avait de l'argent et provenait d'une famille aisée. Quand le footballeur va finir par s'en rendre compte, il va décider de régler ça à l'amiable. Et en fait, son avocat va lui conseiller de faire écrire une lettre de confession à Aurélie B, et c'est ce qu'elle va faire. Et dans cette lettre, elle reconnaît qu'elle a subtilisé à peu près 680 000 euros. Sauf que selon la banque de son ex-compagnon, du coup, le vrai montant serait plutôt autour de 900 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chèques, Aurélie B les a signés avec sa signature à elle. Elle n'a pas imité la signature de son compagnon. Donc en fait, c'est la banque qui va reconnaître sa négligence, parce qu'elle n'a pas vérifié les signatures sur les chèques. Et donc c'est elle, donc la banque, qui va rembourser le joueur de foot. Donc, tout se règle très discrètement et l'affaire ne s'ébruite pas. On est maintenant en 2014. Aurélie travaille toujours chez Cultura en tant qu'assistante trésorière. Son histoire avec le joueur de foot, c'est fini. Et elle a plus de cash pour financer son train de vie de luxe. Et c'est à ce moment-là qu'elle va détourner 60 000 euros chez Cultura. Lui, c'est Victor Tassel, il est journaliste au Parisien. Il a beaucoup enquêté sur Aurélie et il va vous expliquer comment elle a fait pour détourner ses 60 000 euros.
Donc, suite à l'affaire avec le joueur, Aurélie va avoir tous ses comptes bancaires bloqués. Et donc, elle va le demander à son employeur Cultura, une carte à faire. Et en fait, la carte à faire, normalement, ça sert à payer des frais professionnels, des restaurants, des déplacements, etc. Et Aurélie va s'en servir pour faire des dépenses personnelles. Elle va s'acheter des articles de luxe, des vêtements, des sacs, des chaussures. Elle a quand même eu le temps de flamber tout cet argent en quelques mois avant que Cultura ne s'en rende compte. Et étonnamment, l'entreprise va décider de ne pas porter l'affaire en justice. Aurélie va devoir s'expliquer, elle va dire que c'est parce qu'elle rencontre beaucoup de difficultés personnelles dues à sa rupture avec son ex-compagnon footballeur, et Cultura va décider de ne pas la poursuivre, de ne pas porter plainte, mais simplement de réaliser une reconnaissance de dette, et Aurélie va reconnaître qu'elle a volé près de 60 000 euros. Encore une fois, tout est réglé hyper discrètement. Mais ce qui est un peu dingue, c'est qu'elle va pas perdre son boulot. En fait, elle va rester à son poste d'assistante trésorerie chez Cultura pendant encore 3 ans après cette affaire. En 2017, Aurélie B a 32 ans, elle vit toujours à Bordeaux chez ses parents, mais elle est ambitieuse. Elle va décider de déménager à Paris et elle devient trésorière pour l'INSEC. Donc l'INSEC, c'est un groupe d'écoles de commerce, mais que maintenant on connaît sous le nom de Omnes Education. Et dans le compte-rendu de son entretien d'embauche, la recruteuse dit qu'il est difficile de lire en elle, de savoir ce qu'elle pense. Elle prend toujours le temps de l'analyse et de mesurer les risques et potentielles conséquences avant d'agir. Et à cette période, voici comment nous l'a décrit une ancienne amie. Elle était toujours très bien habillée, avec des marques de luxe, de la tête aux pieds. Elle allait déjeuner dans de grands restaurants, roulait en Mercedes. J'ai fini par lui demander « Mais comment tu fais pour te payer tout ça avec ton salaire ?» Là encore, Aurélie B lui aurait dit qu'elle vient d'une famille fortunée, que son père est vigneron et possède un domaine à Bordeaux. Mais bon, ça maintenant, vous savez que c'est faux. Alors comment elle fait pour financer son train de vie? Je pense que maintenant vous avez compris, elle va encore détourner de l'argent de sa boîte. Alors cette fois-ci, la jeune femme élabore une combine un peu plus sophistiquée que la dernière fois. En fait, elle va réussir à détourner 750 000 euros avec un système de double facture. Elle est la seule à savoir comment fonctionne le logiciel de trésorerie. Elle va se servir de cette connaissance. Quand une facture est réalisée au nom de l'INSEC, il y a une première facture qui est vraie. Et elle va en créer une deuxième où elle va inscrire son propre RIB pour encaisser les fonds sur son compte personnel. On a pu échanger avec des gens qui la connaissaient à cette époque. Et en fait, ils vont nous raconter qu'elle faisait tout pour éloigner tous ses collègues du système comptable et du système trésorerie, justement pour ne pas qu'ils découvrent ce qu'elle était en train de faire. Plusieurs mois plus tard, l'INSEC va quand même finir par se rendre compte de son escroquerie au cours d'un audit, et ils vont décider de porter l'affaire en justice. Une enquête est ouverte, et Aurélie B va tout avouer. Et aux enquêteurs, en fait, elle explique que quand elle est partie de chez Cultura, ses anciens employeurs l'ont pressée de rembourser la somme qu'elle leur devait, et qu'à ce moment-là, elle a complètement perdu les pédales. On a pu consulter un extrait des échanges entre Aurélie B et les enquêteurs, et voici ce qu'elle dit. J'ai pété un câble. J'ai été prise dans un engrenage et je n'ai pas perçu ce que je faisais. Je voulais en fait me faire arrêter, que quelqu'un me stoppe dans mes détournements. Je sais que je suis la fautive, même si j'ai profité de l'inertie de mes collègues de la compta. Aurélie, elle va aussi expliquer qu'elle a tout flambé. Effectivement, l'enquête va montrer qu'elle a tout dépensé en bijoux, vêtements de luxe, location ou achat de véhicules haut de gamme, et aussi en nombreux voyages en Corse. Le 3 juillet 2023, elle est condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire. Pause. Résumons. L'INSEC découvre son escroquerie en 2018. Elle est licenciée, dans la foulée, et le temps de l'enquête, elle n'est jugée qu'en 2023. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Eh bien, la trésorière occupe bien son temps parce qu'elle aurait détourné 100 millions d'euros chez Kiabi. Mais je vais un peu vite. Alors, reprenons. En 2018, Aurélie B se fait licencier par l'INSEC pour faute grave. Et dans la foulée, elle va trouver un travail de trésorière chez Kiabi. Là, on peut se dire que c'est quand même complètement fou qu'elle réussisse à collaborer avec une marque de cette envergure après tout ce qu'elle a fait, après toutes les casseroles qu'elle traîne. Malgré la plainte, malgré la procédure judiciaire, Kiabi, au tout début, ne pouvait pas le savoir, puisqu'elle n'est jugée qu'en 2023 et elle commence à travailler pour Kiabi fin 2018, début 2019. Toute la question est de savoir si Kiabi a appelé l'INSEC pour prendre ses références. Est-ce qu'ils ont appelé Cultura aussi pour prendre ses références? Kiabi, pour sa part, affirme qu'ils ont respecté tout le processus de recrutement, toutes les règles de recrutement qui sont en vigueur dans l'entreprise, mais évidemment que ça pose question. Durant ses premières années chez Kiabi, Aurélie se tient à carreau.
Et comme dans tous ses précédents boulots, elle va faire du très bon travail. Mais les vieilles habitudes sont ce qu'elles sont, et 4 ans plus tard, elle va retomber dans ses travers, c'est-à-dire détourner de l'argent. Mais là, je vous parle pas de 700 000 euros comme la dernière fois. Cette fois-ci, elle aurait détourné 100 millions d'euros. Et Kiabi a mis 1 an à s'en rendre compte. Je laisse Victor vous expliquer comment elle a fait. Elle n'est pas salariée de Kiabi, elle est simplement prestataire. C'est une personne externe à la société et son rôle, ça va être de gérer tous les flux d'argent, tous les bénéfices de l'entreprise. Et donc, en fait, elle va prendre des bénéfices. Son rôle, c'est d'utiliser ces bénéfices, de les faire fructifier, de les placer pour que Kiabi fasse fructifier son argent. Elle va proposer à Kiabi de placer ces 100 millions d'euros dans un compte à terme. Et en fait, un compte à terme, c'est un compte où on place de l'argent pour une durée déterminée et on la récupère à la fin de cette durée avec des intérêts, ce qui permet de faire fructifier l'argent. Kiabi va valider l'idée de placer les 100 millions d'euros sur un compte à terme, sauf qu'Aurélie a menti, elle ne le passe pas sur un compte à terme, mais sur un compte courant classique d'une banque allemande, qui est une petite banque allemande, et ensuite elle va falsifier la signature de la présidente de Kiabi, d'une part pour placer les 100 millions d'euros dans cette banque, puis faire un virement de la banque allemande vers la Turquie, avec la signature falsifiée de la présidente de Kiabi. Et les services informatiques de Kiabi, un peu plus tard, ils vont expliquer qu'ils ont retrouvé sur son ordinateur des traces de données effacées. Et dans ces données effacées, ils vont retrouver notamment des informations sur ce fameux virement de la banque allemande vers une banque turque. Tout ça, c'était à l'été 2023. Et avant que Kiabi se rende compte de cette escroquerie, et comme je vous l'ai déjà dit, ils vont mettre du temps, eh bien Aurélie B, elle arrête sa collaboration et elle s'envole vers une nouvelle vie à Miami, en Floride. Aurélie est métamorphosée. Fini la compta, fini les finances, elle se reconvertit dans le design de luxe et devient architecte d'intérieur. Et pour ça, elle fournit un CV plutôt vendeur. Là-bas, elle se présente comme une experte de l'immobilier et du design de luxe. Elle raconte qu'elle a 2 diplômes, un en immobilier, un en design d'intérieur, qu'elle aurait obtenu dans une université du sud de la France, et elle affirme aussi qu'elle a 12 ans d'expérience dans le domaine du luxe. La nouvelle designeuse se fait rapidement un réseau très solide à Miami. Elle va monter sa boîte et par exemple, elle va s'occuper de l'aménagement d'un lounge pour DJ Khaled dans le hangar de son jet privé. So the mood of the plane. So here we have a lounge. Over there. Over there. And we also add piece of art from French artists. Elle rencontre des personnalités, dîne avec l'actrice Eva Longoria. Rénove une superbe villa de 650 mètres carrés sur Allison Island. Et d'ailleurs, pour célébrer ce dernier projet, elle va organiser une petite fête dans cette villa en mai 2024. Et DJ Khaled et YG Marley, le petit-fils de Bob Marley, vont même s'y rendre pour y donner un petit concert privé. Aurélie va ensuite fonder son propre cabinet d'architecture d'intérieur qui s'appelle Haute Design et qu'elle va inaugurer en grande pompe à Mykonos. Dans le même temps, elle fait la couverture d'un magazine qui s'appelle Palm Beach, où elle est présentée comme l'architecte d'intérieur la plus demandée de Floride. Avec un penchant pour la vie de luxe et son œil pour le design raffiné, Aurélie fait partie des architectes d'intérieur les plus demandés du sud de la Floride. Originaire de France, elle est la fondatrice de Haute Design. Avec des projets partout dans le monde, elle s'inspire à la fois de ses racines européennes et de son environnement tropical. Donc l'ancienne salariée de Kiabi paraît vivre la grande vie des millionnaires, baignée dans le luxe, jusqu'à ce que tout bascule. Parce que quand même, au bout d'un moment, Kiabi va vouloir récupérer ses 100 millions d'euros qu'il pense placer dans une banque en Allemagne. Sauf que quand ils prennent contact avec la banque, bah surprise, le compte est vide. Et ça, depuis une bonne année déjà. L'enseigne porte plainte contre Aurélie B en juillet 2024, et le 12 août, elle sera finalement arrêtée à la descente d'un jet privé sur le tarmac d'un aéroport corse. Et sur elle, les policiers vont découvrir 500 000 euros de bijoux et des affaires de luxe. L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière va ouvrir une enquête. Aurélie B va être placée en détention provisoire et mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée.
Alors aujourd'hui, on en est là. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle a fait de ces 100 millions d'euros? Et sur ce sujet, Kiabi a sa petite idée. Est-ce que vous vous souvenez du château Allison à Miami? Eh bien pour Kiabi, Aurélie B a acheté le château Allison pour 16 millions d'euros en se servant d'une partie de l'argent détourné. Mais ce ne sont que des soupçons, parce qu'en fait la maison a été achetée par une société dont le propriétaire est anonyme, société qui appartient elle-même à une autre société dont le propriétaire est aussi anonyme, donc on ne sait pas réellement qui est derrière ces deux sociétés. Donc qui a acheté la maison? Kiabi est persuadé évidemment que c'est Aurélie. Kiabi a donc entamé une procédure fin octobre à ce sujet aux États-Unis. D'après des documents que notre équipe de journalistes a pu consulter, Aurélie B aurait trouvé un moyen de blanchir de l'argent en prétendant avoir servi d'intermédiaire dans la vente d'un hôtel. On a pu consulter des documents qui nous laissent à penser qu'Aurélie a créé des faux pour justifier la provenance de fonds. En fait, quand on fait un virement de plusieurs millions d'euros dans une banque, la banque est en droit de demander à son client d'où proviennent les fonds pour s'assurer que ce n'est pas justement du blanchiment d'argent. Elle va faire croire qu'elle a joué le rôle d'intermédiaire pour la vente d'un hôtel en Turquie qui n'a a priori jamais existé, qu'elle a touché près de 7,5 millions de dollars. Et ça sert à Aurélie à justifier auprès de la banque pourquoi elle va faire un virement de plusieurs millions d'euros. Selon nos informations, Aurélie B est actuellement en détention provisoire en métropole. L'enquête est toujours en cours et les policiers sont à la recherche d'éventuels complices. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Et donc voici où en sont à ce stade les investigations du Parisien sur l'affaire Aurélie B. N'hésitez pas à aller sur notre site internet leparisien.fr pour retrouver tous nos articles sur ce sujet et bien d'autres encore. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour être tenu au courant de nos prochains reportages.